Salut tout le monde, c'est Toxo75 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'épisode 2 avec la Serie A sur FIFA Ultimate Team. Donc l'équipe a un peu changé depuis. Alors ici on a Gervinho toujours, Iturbe à droite, j'ai Osvaldo ici, j'ai Miralem Pjanic, Vidic. Konko, Alex, Ashley Cole, on a aussi Montolivo et Strootman qui n'était pas là, il me semble. Donc l'équipe a un peu. C'est un peu améliorée, j'ai envie de dire. Donc on va partir tout de suite pour deux matchs. On est en Division 4. C'est parti. Hop là, continuez. Hop là, continuons. Ah, mon attaque est un peu faible par contre. Et c'est parti. Donc j'ai une équipe qui est quand même pas mal, hein, je trouve. Alors on joue contre une Barclay avec Rojo, David De Gea, Andy Carroll, Boost, Charleux, Walcott, Valencia, Oscar et Leighton Baines. J'espère que... Osvaldo, je ne l'ai pas testé encore. J'espère qu'il fera le même taf que Luca Toni. Ou si, je l'ai peut-être testé un seul match, mais bon, je... J'ai rien vu d'extraordinaire. Avec Iturbe, Iturbe la frappe, ça passe à gauche. Décage. De David De Gea, 83, ce n'est pas le 85. Et c'est pour Ashley Cole. Ashley Cole avec Daniele De Rossi. Gervinho. Gervinho. Oh, c'est passé. C'est passé la frappe. Et c'est dans les bras de David De Gea. Et... Hop, De Rossi. De Rossi avec Gervinho. Gervinho pour le centre. Et ce sera dans les bras de David De Gea une nouvelle fois. Allez. On va bloquer cette attaque. Oh le con. Oh le con. Heureusement que c'est raté. Allez, Ashley Cole. Ashley Cole avec Vidic. Vidic, dernière recrue de ma Serie A. De Rossi. Avec Iturbe. Il est rapide. Il est rapide, le Romain. Oh. Par contre, là, c'est pas passé. C'est pas passé. Donc, je pense qu'il y aura encore un épisode avec la Serie A. Et puis... Je pense peut-être même pas. Ça s'arrêtera peut-être. Et là, la barre transversale. Trois épisodes avec la Serie A. Peut-être trois épisodes aussi avec la Ligue 1. Ça reste à voir tout ça. Cairon. Cairon. Feinte. Feinte. Ah ! J'ai cru que ça allait passer. Et Vidic, blessé. Gervinho, très très rapide Gervinho. Il est pas mal. Wow. Grosse grosse frappe là d'André Charleux. C'est Charles, André. Je crois. Il me semble. Mais je n'en suis pas sûr.
Allez, Leighton Baines au corner. Leighton Baines, allez, il va falloir pousser ce ballon. Et c'est mon gardien qui s'en charge, Gianluigi Buffon, qui sera demain en finale de Champions League contre le FC Barcelone. Ashley Cole. Wow. Allez, Pjanic. Miralem Pjanic. Miralem Pjanic. Callejon. C'est passé, la frappe de Callejon. C'est pour David De Gea. Ah, c'est contré. C'est ressorti, on gagnera même pas un petit corner là. Charles. Oh, la bonne intervention de Konko. Par contre, il va falloir récupérer ton côté là, Konko. Théo Walcott et ses 96. Ashley Cole est rapide, lui aussi. Pas autant qu'avant, mais il l'est quand même. Bonne intervention. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. Avec Callejon. Callejon. De Rossi. De Rossi. De Rossi, la frappe de De Rossi. Magnifique. Iturbe qui vient, qui récupère la tête, le but. C'est un but de chien. Mais ce qui compte, c'est que ça rentre pour l'instant. Je pouvais pas faire autrement en même temps. J'allais pas ressortir la grosse frappe bien lourde. Moi, c'est ça qui m'aurait intéressé de voir au ralenti. C'est la grosse frappe lourde de De Rossi là, qui a fait trembler les cages. Mais qui est malheureusement pas rentrée. Pjanic avec De Rossi à nouveau. De Rossi, tourbé. Ah, il aurait pu se battre là. Malheureusement, pas assez de physique non plus. Attention. Andy Carroll, il est puissant, il est grand. En plus, il est boost. Il me semble qu'il avait joué l'Euro 2012 aux côtés de Wayne Rooney. À moins que Wayne Rooney était peut-être blessé, je ne sais plus. Je ne m'en souviens plus. Callejon. 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 De Rossi. De Rossi. Qui peut... Ah. Je voulais lâcher une grosse frappe là. Après, il fallait bien trouver la bonne position. De Rossi. Ça passe. Ça passe encore. Ça passe encore. Ça va encore passer. Et on va gagner le corner. Pas mal là. Pas mal les petits dribbles de De Rossi. Les petits crochets. Osvaldo, la tête. Et ça passe largement au-dessus des cages. Et ce sera un dégagement. Pour l'équipe adverse. Leighton Baines face à Konko. Très très bon Leighton Baines. 29 ans il me semble. Un peu vieux. Hop là, dégagement. Dégagement. C'est pour Oscar. Oscar avec Théo Walcott. Il est très rapide mais bon. Comme il y a des défenseurs là, ça va être compliqué pour lui. Non. C'est pas rentré. Mais c'est même pas rentré. Mais je sais pas où est-ce qu'il a appris à frapper ce joueur là. En tout cas, c'est très grave. Buffon. Vidic. Ah, De Rossi. Oula, on dirait un peu un drogué là. Dans le jeu. Allez. Andy Carroll avec Walcott. Et c'est bloqué par Alex. Avec Callejon. Callejon avec Miralem Pjanic. Miralem Pjanic. Ah, il faut se battre là. Osvaldo qui a pas pu récupérer ce ballon. Pas mal dans Football Manager, Osvaldo.
Iturbe avec Cajron, Cajron avec Pjanic, Pjanic avec Osvaldo. Par contre, lui, ça va pas le faire face à beaucoup, beaucoup de défenseurs. Il est pas rapide. Ashley Cole avec Valencia. Cajron, l'ancien madrilène. C'est dans les pieds de Miralem Pjanic. Ah, ça aurait pu être récupéré par Gervinho. Malheureusement, c'est dans les pieds de Walcott. Et c'est avec Antonio Valencia. Il est très rapide lui aussi. Attention. Hop là, c'est Nemanjić. Ah, c'est pas récupéré. Je fais n'importe quoi là. Sur mes passes en profondeur. Quoique celle-ci est pas mal. Osvaldo, ça passe à gauche. Gervinho. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Comment il a frappé le mec? Vraiment n'importe quoi. Valencia face à Vidic. Oh. Cafouillage un peu là. Après, il y avait faute, c'était pour moi. Bien heureusement. Oh. Faute à nouveau. Et ce sera un carton pour Andy Carroll. C'est pas mal. Tant mieux. Tant mieux pour nous. Allez, Alex. L'ancien Parisien. Daniele De Rossi. Où c'est pas passé cette fois-ci. Qui est pour l'instant au niveau de la note générale mon meilleur joueur. Oh. Callejon. Callejon, la frappe et le but. L'Espagnol qui marque. But 2 à 0 pour la Serie A face à cette Barclays Premier League. Pas mal du tout joué là de la part de l'Espagnol. Hop, petite interception, ça dribble. Il est tout seul, la frappe. Petit, enfin, presque petit filet gauche. Ce qui compte, c'est que ce soit dans 2 à 0. Et là, ça va lui donner une opportunité de coup franc. Ah, bien placé. Oscar pour le frapper. Et non, il va préférer Leighton Baines. Par contre, Leighton Baines est gaucher. Après, il est quand même pas mal dans l'axe. Ça peut rentrer. Et ce sera dans les bras de Gianluigi Buffon. Osvaldo. Excusez-moi, j'avais pas vu le curseur de la souris. Miralem. Miralem Pjanic, ça passera pas. Ça sera récupéré par De Rossi. Ah, ça aurait pu être une bonne passe. Malheureusement, le défenseur ne l'a pas laissé passer. Leighton Baines. Ah, faut récupérer. On va leur laisser de la place à droite avec Antonio Valencia qui est rapide, mais c'est pour Gianluigi Buffon. Entre deux joueurs qui réussit à récupérer. Oula. Ouh là 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 là. Buffon qui était complètement battu là si c'était cadré. Complètement à l'ouest. Ashley Cole. La tête. Avec De Rossi. De Rossi. Pour Iturbe. Ça sera passé pour Callejon. Callejon. La frappe. J'ai pas voulu faire une frappe. J'ai voulu faire une feinte de frappe. Il a frappé. En tout cas, on gagne le corner. Tout n'est pas perdu. Pjanic. La tête. Oula, je sais pas qui c'est qui a mis la tête là. Il me semble que c'est un joueur adverse. De Rossi. De Rossi, c'est bien joué. Il a presque pu frapper là. Malheureusement, il n'a pas eu le temps. Ashley Cole. Ashley Cole avec Gervinho. Tu vas te battre. Tu vas garder. Oula. Où c'est beau. Où c'est beau. Ah, j'ai frappé en enroulé. J'aurais pas dû. Et là, on gagne quand même le corner. Miralem Pjanic. Miralem Pjanic avec la grosse tête de Vidic. Oula. Andy Carroll, il est pas rapide, bien heureusement. Heureusement que c'est pas Théo Walcott. Alex, lui non plus, n'est pas très rapide. Mais par contre, il va me laisser un gros trou dans la défense. Andy Carroll, toujours. Andy Carroll, qui pourra pas prendre de vitesse. Quoique. Quoique, quoique, quoique. Hoppa! Attention! Attention, on peut encaisser deux buts très facilement là, même trois. Enfin, je pense pas.
Oula, c'était chaud. Je joue avec le feu là. Ouah. Je joue avec le feu. Grosse frappe d'Antonio Valencia. Bien au-dessus des cages. Gianluigi Buffon, le dégagement. Et j'aime beaucoup cette Serie A. J'ai par exemple la Bundesliga. C'est pas trop mon kiff là, celle que j'ai. Mais après, je pense que je peux acheter des bons joueurs aussi dessus. Franchement, c'est quand même pas mal. Mais c'est pas non plus à couper le souffle. La frappe de Leighton Baines. Gianluigi Buffon qui va dégager très très loin. Oula, c'est récupéré par Andy Carroll. Avec Théo Walcott et le but! Le but de Théo Walcott, attention à pas encaisser d'autres buts avant la fin de ce match, ce serait vraiment pénible. Et Théo Walcott qui marque ce but. Hop là, c'est parti avec Iturbe. En même temps, je pars à l'attaque alors que je veux défendre. C'est pas très malin. Hop. Défensif. Je suis sûr que je vais en encaisser un autre. Gianluigi Buffon. C'est récupéré. Alex. Alex avec Osvaldo. Osvaldo avec Cajron. Cajron avec Gervinho. Oula, c'est pas mal joué ça. Ça, c'est pas mal joué. Ah, c'est très très mal joué là par contre. Ashley Cole. Alex, va falloir mettre la tête. Oula. C'est sorti. Et ça a l'air d'être pour eux. Ouh, aïe, aïe. Ouh, aïe, aïe, Andy Carroll. Ouh, aïe, aïe, Andy Carroll. Va falloir sortir. Va falloir vous casser. Osvaldo, il n'y a plus de gardien. Waouh. Et on gagne quand même ce match 2 à 1. Heureusement. Ne me demandez pas pourquoi j'ai un maillot du Bayern classique. J'ai dû l'avoir dans un pack. Et depuis, je ne l'ai jamais changé. Je l'ai toujours. Cajron. C'est un doublé de Cajron. Ah d'accord. Ok. Et donc voilà. On va partir pour un autre match. On va sortir Miralem Pjanic et faire rentrer Kevin Strootman. On va faire sortir Alex et faire rentrer Bonucci ou Campagnaro qui est peut-être ouais, il est plus rapide. Ashley Cole, ça va encore, ça va, ça va. Et on va faire rentrer Maicon à la place de Conco. Et c'est parti pour le deuxième match. Ah, ce que je voulais, c'était peut-être. Ah ouais, c'est Iturbe. Iturbe qui est peut-être. Il est pas très en forme là. Donc on va chercher hors ailier droit en Serie A. Ibarbo peut-être. Ouais, Ibarbo c'est peut-être intéressant. Ibarbo ou Biabiani. Ah, par contre, il y a deux Ibarbo, 78-75. Kandreva aussi qui a l'air pas mal, peut-être un peu plus cher. On va faire ça. Milan Shine Media, Iturbe, j'ai déjà. Milan, Iturbe. Et il n'y a que des Iturbe. J'hésite carrément à prendre Florenzi. Mais bon, n'abusons rien, 1300, toujours rien.
Joaquin qui est pas mal mais qui a pas assez de vitesse. 1700. Allez, il y a quelque chose là quand même. Ibarbo 78, 5 de contrat. Ouh là là, je commence à faire chier ça. Allez, 2000. Soyons fous, Kandreva. On va prendre Kandreva. Kandreva, 25 contrats, 1900. Hop là. 85, c'est quand même pas mal. Birsa, tu vas virer. Et voilà. C'est parti pour le deuxième match. Et on va mettre Kandreva. On va mettre Daniele De Rossi ici comme ça. Il sera italien. Et ils auront une bonne... Un bon collectif. Allez, allez. 80, 80, 80. J'ai, ma foi, une Serie A quand même pas mal. Et là, on va jouer contre une MLS, j'ai l'impression. Ah non, pas du tout. Griezmann, Dos Santos, Vela, Oscar, Isco, Xavi, Cuentrao, Miranda, Varane, Carvajal et Claudio Bravo. Allez. Gervinho. Ouh. Laissons la faute. Mais non, mais non, mais non, mais il a frappé tout seul. Il a frappé tout seul. Je voulais le coup franc, moi. Putain. Fais chier. Oh non, 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 non. Oh, j'ai vraiment les boules là. Je voulais vraiment ce coup franc. Oula. Là, là j'en ai gagné un. Par contre, il va pas pouvoir rentrer celui-là. Et je sais pas d'ailleurs qui est mon meilleur tireur de coup franc. Je ne sais pas. Xavi qui prend le jaune. Xavi qui pourrait être prêté au Paris Saint-Germain. Ce serait pas mal. J'aimerais bien. Kandreva. Il a pas 80... 90 de puissance. La frappe de Kandreva. J'ai lâché un gros shoot, hein. Je savais bien que ça allait pas rentrer, mais bon. On ne sait jamais. Là, prise de catch là. Et là, j'ai plus de défenseur central. Campagnaro. Callejon. La frappe et le poteau. Et le poteau. On s'en sort bien. Kandreva. 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 Ah, presque. Presque, 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 presque. Il aurait presque pu frapper. Et il m'a l'air, ma foi, super. Il m'a l'air, ma foi, pas mal, le petit Kandreva. J'aimerais bien changer de buteur. Peut-être même prendre Morata. Hein. J'aimerais bien aussi avoir Pirlo. Pogba. Mais Pogba, c'est cher, il me semble. De Rossi, qui va lancer Osvaldo. Je voulais qu'il lance Gervinho. Malheureusement, il n'a pas lancé le bon. Hop. Attention, Carlos Vela. Carlos Vela. Attention. Hop là, Strootman. Strootman avec Osvaldo. Oula, prise de catch là. De la part d'Antoine Griezmann. Et j'ai l'impression que mon adversaire est assez agressif quand même. Allez, hop, avec De Rossi. De Rossi qui va revenir. Avec Kevin Strootman. Strootman qui va la jouer avec Ashley Cole. Ashley Cole, le centre.
La tête, la frappe de De Rossi, magnifique! Magnifique frappe de Daniele De Rossi. Magnifique. Magnifique frappe là, je pensais vraiment pas que ça allait rentrer. Et finalement, bah ça finit. Ça finit pleine lucarne. Magnifique. 1-0. 23e minute. Strootman. Strootman. Peu de mal à dribbler là. Oula, faut pas le laisser passer. Faut pas le laisser passer. Maicon. Allez, dégage, Strootman. Callejon. Callejon. La balle pour Callejon encore. De Rossi. De Rossi. Callejon qui va gagner en vitesse. La frappe et le but. 2-0. Callejon qui est aussi bon qu'un buteur. 3 buts en 2 matchs là. Très 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 bon. Et lui, j'ai l'impression que c'est déco, surtout avec l'ancien maillot du Barça. Ça fait vraiment. Ça fait vraiment ça. Hop là. Callejon. Strootman. Osvaldo. Osvaldo qui récupère. Osvaldo qui est totalement. Totalement invisible lors des deux matchs. Ouah, Griezmann et le but. Et pas le but et pas de but. Pas de but, Gianluigi Buffon, la petite main qui vient sauver cette action. Osvaldo. Oh putain, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin et là j'ai lancé mon dé aussi. Deux à zéro, la quatrième division commence bien. Avec pour l'instant, je dis bien pour l'instant, trois victoires et une défaite. Et c'est parce que ma connexion a lâché. Sinon, j'aurais gagné ce match, je pense. Hop, Callejon. Gervinho. Gervinho. Et là, la tête d'Osvaldo, malheureusement. La tête d'Osvaldo! La tête d'Osvaldo! Oh putain! Je pensais vraiment que Claudio Bravo allait la récupérer. Eh bien non! Tête d'Osvaldo, il est totalement invisible et là, il joue le renard des surfaces. Hop là! Il met la tête, il cache les yeux à Claudio Bravo et ça rentre. 3-0, j'aurais été lui, j'aurais rage quit. Ah, c'est peut-être ce qu'il va faire. Voili voilou. Donc, encore une victoire. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça me fera toujours très plaisir. Allez, en attendant, ciao tout le monde!